Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je me demande qui y vit. Revelio. 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 Voilà une agréable surprise. Confringo. Thank you.
Revelio. Caché sous le tonneau. Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour, monsieur. Auriez-vous un moment pour discuter ? J'ai tout le temps du monde pour mes clients potentiels. Comment allez-vous ? Je m'appelle Cromwell. Clifford Cromwell. J'aimerais vous poser quelques questions sur Grottalo, si vous voulez bien. Avec plaisir. J'habite ici depuis des années. Il y fait vraiment bon vivre. Avez-vous entendu des rumeurs sur des mages noirs présents dans la région ? Tâchez de les éviter, les amis de Rookwood ne sont pas très recommandables. Par contre, j'ai vu un braconnier il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas bon pour les affaires. Pas bon du tout. J'aimerais en savoir plus sur vous, monsieur, si cela ne vous dérange pas. Oh, personne ne me pose de questions sur moi. Je vis à Grottalo depuis que j'ai quitté Poudlard. Dans ma jeunesse, j'ai travaillé pour le ministère, et sur un projet confidentiel. Un projet en lien avec l'utilisation de Mandragore en tant qu'arme. J'aurais pu remplir un chaudron avec tout le coton que j'ai dû m'enfoncer dans les oreilles. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie d'une vie plus calme. Je me suis installé ici et j'ai lancé mon affaire. J'adore vivre entouré de plantes. Que pouvez-vous me dire sur votre boutique ? Je vends des plantes et leurs produits dérivés. La botanique a toujours été ma passion, même lorsque j'étais un pouf-souffle à Poudlard. J'ai rencontré quelques pouf-souffles très intéressants. Le travail ne vous fait pas peur ? Tout à fait. Heureux de constater que notre réputation n'est plus à faire. J'aimerais en savoir plus sur vous. Dans ma jeunesse, j'ai travaillé pour le ministère, mais au bout d'un moment, j'ai... J'aimerais vous poser quelques questions sur Grottalo, si vous voulez bien. Avec plaisir. J'habite ici depuis des années. Il y fait vraiment bon vivre. Y a-t-il des endroits en particulier à découvrir près d'ici ? À part le lac, qui est un endroit charmant, nous aimons aussi nous promener dans les collines. On raconte qu'un trésor serait caché dans ces collines, mais je ne l'ai jamais vu. C'est sûrement une simple légende. Que proposez-vous à la vente ? Ah, que puis-je pour vous ? J'espère que cela vous sera utile pour vos futures aventures botaniques. Revenez vite. Rien ne me fait autant plaisir d'aider les jeunes gens.
dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Ma chère Ada, tout d'abord, est-ce que tu vas bien ? Notre rendez-vous fut un total désastre, je te demande pardon pour cette histoire. J'étais si heureuse de voir... en personne après tout ce temps, je n'arrive pas à croire la vitesse à laquelle ces fidèles gobelins se sont aperçus de notre présence. Ils nous ont attaqués et ils semblent posséder une sorte de magie noire qui m'est inconnue. Je suis soulagé que tu aies pu te transplaner si vite. Je suis resté et j'ai combattu autant que j'ai pu, mais j'ai fini par fuir à mon tour. Pourquoi les gobelins ont-ils envahi cet endroit? Que cherchent-ils donc? Je ne sais qu'une chose, personne n'est en sécurité là-bas. Mon amour, nous avons déjà parlé de nous échapper ensemble. Y as-tu réfléchi plus qu'avant? Il semblerait que ce soit le moment idéal pour cela. Nous devons aller vivre ailleurs pour tout recommencer. J'ai entendu parler de petites communautés magiques en Norvège, en Espagne également. Je me fiche de notre destination. Tant que tu es avec moi, choisis le hibou le plus rapide possible pour m'envoyer ta réponse. Je dois savoir si tu vas bien et si tu es prête et bien décidée à t'enfuir avec moi. Je t'aimerai toujours, Tarek. Rébellion. Ma très chère Ada, je me languis de te voir, mon amour. Chaque journée passée loin de toi est un véritable calvaire. Et il nous faut trouver un moyen de nous voir. De nous transplanions ou pourrions-nous nous retrouver? Je ne sais que je ne suis pas le bienvenu dans la maison de la famille de Grostal. J'ai discuté avec les habitants de Crackcroft dernièrement au sujet de la présence gobeline près de la côte. On m'a dit que les fidèles de Ranrock sont à la recherche des travaux d'un sorcier légendaire qui vivait ici il y a bien longtemps, un homme venu de l'Est. Comme moi, cela m'a intrigué. Apparemment, il menait secrètement des recherches nichées dans la montagne voisine. Son repère pourrait être l'endroit idéal où nous rejoindre. Une idée, jeudi soir, au crépuscule, te transplaneras-tu sur le versant ouest de la montagne? Tu n'aurais qu'à viser un des caveaux que les habitants utilisent pour stocker leurs objets de valeur. Nous devrions être à l'abri des regards indiscrets là-bas. J'ai l'impression que nous avons quitté Poudlard hier. Toi et moi, deux enfants avec des étoiles dans les yeux et de l'amour plein le cœur. Promets-moi que nous retrouverons ces étoiles dans nos yeux et que nous protégerons l'amour dans nos cœurs. Je t'aimerai toujours. Tarek. Rébellion. Février 1890. Notre décision est prise. Nous nous enfuirons lundi prochain. J'ai pris contact avec la gentille vieille sorcière de Slow qui a accepté de prendre Tarek en apprentissage. Elle s'intéressait aussi à mes connaissances sous le bois de baguette magique. Nous pourrons prendre un nouveau départ. La famille va me manquer, mais c'est leur faute si je dois partir. Ils ont refusé d'accepter Tarek en raison de ses origines et c'est ce qui a motivé mon départ. Je leur laisserai un message. Ils ont le droit de savoir que je suis heureuse ailleurs, en compagnie de l'amour de ma vie. L'afflux de gobelins rebelles, sans oublier les braconniers et les serpents cendres, ont rendu cette région dangereuse. J'espère que ma famille s'en ira aussi. Dans tous les cas, nous, Tarek et moi, partirons loin de tout cela. Je ne l'ai pas encore dit à Tarek, mais je porte son enfant. J'attendrai que nous soyons en sécurité avant de lui annoncer la bonne nouvelle. Je n'arrive pas à y croire. J'aurai bientôt un fils ou une fille, un bébé dont je m'occuperai avec Tarek dans la sécurité d'un nouveau foyer. Peut-être un jour, quand nos enfants seront en âge, on partira étudier à Poudlard. Et la boucle serait bouclée. Je suis pleine d'espoir. La prochaine fois que j'écrirai dans ce journal, je serai sans doute en Norvège. Adieu. Grotalo, tu seras toujours dans mon cœur. Rébellio. Qu'est-ce qui se passait?
Allô, Mora. Revelio. Tu es à moi à présent, demi-guise. Une demi-guise. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Même s'il l'aurait pas dit, on n'aurait pas aperçu. Revelio. Puis-je vous déranger un moment? Non. Allô, Mora. Revelio. L'endroit semble être assez agréable. Confringo. Revelio. Revelio. Ayona Morgan était une excellente. Tu as déjà fait donc toi qui a volé notre hypocrite. Je te déconseille fortement. Tu croyais vraiment qu'on avait oublié l'histoire du cas du commun? Confringo.
Tu mourras avant d'avoir la chance de l'achever. Les créatures seront bien plus en... Révélio. Wingardium Leviosa. Allô, Mora. Ça m'intrigue. Rébellion. Wingardium Leviosa. Rébellion. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Rébellion. Wingardium Leviosa. Rébellion.
Revelio. Il fait tout un niaisage. Revelio. Wingardium Leviosa. Allô, Mora. Revelio. Thank you.
Wingardium Leviosa. Bombarda. Revelio. Réparons. Revelio. Et voilà, résolu. Revelio. Confringo. Revelio. Revelio. Y a rien ici. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Confringo. Réparons. Revelio. Réparons. Revelio. Comme si c'était la faute des sorcières. Vous parlez comme si nous passions nos journées à faire des filtres d'amour et à essayer d'attirer l'attention d'un jeune sorcier. Montre-toi. Passons aux choses sérieuses, veux-tu? Wingardium les enfringo. Confringo.
Tu ne pourras pas. Confine-toi. Un bras. Réparons. Revelio. C'est malheureux pour toi. C'est donc bien la permission. Fringo. Ah, c'était ça. Revelio. C'est gentil, parole de passer. Stipendo. Stipendo. Refuso. Regardez ça de plus près. Revelio. Revelio. Fringo. Revelio. Revelio. Stupéfait.
Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Revelio. Que me réserves-tu cette fois-ci ? Revelio. Bombarda. Wingard Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa.
Revelio. Action. Réparons. Go.
rébellion. Fringo. Rébellion. Fringo. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Rebellion. Fringo. Rebellion.
Revelio. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Revelio. Stipendio.
Revelio. Ça m'intrigue. Lumos. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!